Vous êtes sur Totally Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec cette nouvelle sortie du secrétaire général des Nations Unies qui appelle les autorités de transition malienne à accélérer les travaux pour un retour à l'ordre constitutionnel. Antonio Guterres relève les progrès accomplis, notamment la rédaction d'un projet de constitution et la création d'une autorité de gestion des élections, mais estime que du retard a été pris dans l'exécution de certaines activités essentielles. À moins d'un an de la fin prévue de la transition, il incombe aux autorités maliennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer ce processus de sorte que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans les délais convenu, a plaidé le diplomate portugais. Le 10 mars 2023, le projet de référendum initialement prévu pour le 19 mars 2023 a été reporté à une date ultérieure par le président de la transition. Assimi Goïta avait quand même réaffirmé la tenue des élections en février 2024. L'actualité, c'est aussi cette tension entre l'Allemagne et le Tchad. Trois jours après l'annonce du gouvernement de la transition tchadienne d'expulser l'ambassadeur allemand de son sol, c'est désormais au tour de Berlin de riposter en annonçant l'expulsion de l'ambassadrice tchadienne Mariam Ali Moussa de son pays. La diplomate tchadienne a donc 48 heures pour quitter l'Allemagne. En réponse à l'expulsion injustifiée de notre ambassadeur au Tchad, nous avons convoqué l'ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, et lui avons demandé de quitter l'Allemagne dans les 48 heures. Nous regrettons que ça finisse ainsi. L'ambassade d'Allemagne au Tchad poursuivra ce travail en collaboration avec ses partenaires sur le terrain, pouvait-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Le ministère allemand des Affaires étrangères a également ajouté que son ambassadeur au Tchad, Jean-Christian Gordon-Crick, s'était acquitté de ses fonctions de manière responsable en prônant le respect des droits de l'homme et une transition rapide vers un gouvernement civil au Tchad. Ce 8 avril 2023, Jean-Christian Gordon-Crick, ambassadeur d'Allemagne au Tchad, a été expulsé du pays pour attitude discourtoise. Pour nombreux, l'expulsion du diplomate allemand intervient après ses critiques à l'égard des autorités de la transition depuis les incidents meurtriers survenus lors des manifestations réprimées du 20 octobre au Tchad. Au Mali, le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD dit être résolument déterminé à accompagner le processus de réforme jusqu'à son aboutissement et parce que ses recommandations ont été prises en considération. En conférence de presse ce 8 avril 2023 au siège du Front à Badalabougou, les membres de cette organisation se sont dit satisfaits des réformes entreprises dans la nouvelle loi fondamentale. Les principales propositions de réforme faites par les FSD sont entre autres l'adoption d'une nouvelle constitution pour passer à une quatrième république, la déclaration des biens des candidats lors du dépôt de candidature, l'inclusion dans la nouvelle constitution de la possibilité de destitution du président de la République dans certains cas avant la fin de son mandat et la création d'un parlement à deux chambres, entre autres. Le projet de nouvelle constitution a été remis au président de la transition, Assimi Goïta, le 27 février 2023. Cela fait du bruit depuis un moment maintenant au Burkina Faso. Une allégation de disparition des fonds destinés aux volontaires pour la défense de la patrie VDP et une somme de 400 millions de francs a contraint le parquet militaire de Ouagadougou à poursuivre les enquêtes et détecter les éventuels détournements. Dans un communiqué en date du 11 avril 2023, le parquet du tribunal militaire de Ouagadougou porte à la connaissance de l'opinion de la poursuite des enquêtes judiciaires ouvertes sur des dossiers dits
d'INATA des enquêtes judiciaires sur les affaires de détournement d'argent des volontaires pour la défense de la patrie VDP et de 400 millions de francs CFA et celui dit de surfacturation de prix des motos de type Aloba acquises au profit des forces armées nationales. Tout a commencé avec la publication par le bimensuel burkinabé l'événement le 10 décembre 2022 qui faisait mention de la disparition d'une grosse somme des volontaires pour la défense de la patrie mais aussi de l'empochement de 400 millions de francs CFA par un présumé capitaine. Une enquête a donc été ouverte le 22 décembre 2022 après une audition du directeur de publication L'Événement qui a promis de donner la source de son article. Le communiqué précise qu'à ce jour, plusieurs actes d'enquête ont été menés et une dizaine de personnes ont été auditionnées. Les résultats des enquêtes sont donc en exploitation en attendant la suite des poursuites judiciaires. En ce qui concerne les 400 millions de francs CFA, les enquêtes révèlent que la somme aurait été utilisée pour l'acquisition des matériels de défense. Le communiqué affirme que tous ceux qui seront tenus responsables de ces actes seront punis selon la loi sans distinction de leur rang ou statut social. Une alerte inquiétante vient d'être lancée par l'avocat du professeur Franklin Yamsiwa, Maître Iwu, alors que l'universitaire répondait à une convocation devant la police judiciaire à Rouen en France ce 12 avril 2023. Son avocat alerte sur une plausible garde à vue. Actuellement à Rouen, M. Nyamsi, que nous assistons depuis ce matin, risque une garde à vue. Les indices montrent qu'il ne s'agit pas d'une audition libre. La machine à broyer est en marche, a-t-il posté sur sa page Twitter sans autre détail ni précision. Le 3 avril 2023, le professeur Franklin Yamsiwa a reçu une convocation afin qu'il s'explique sur la gestion de l'association Crush Party dont il est le président devant la police judiciaire. Ce 11 avril, le panafricaniste a annoncé à travers les réseaux sociaux la fermeture de son unique compte bancaire en France par le régime Macron sans raison. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.